Je vous retrouve, on est donc lundi, il est donc midi pile. Alors j'ai réussi quand même à faire pas mal de choses ce matin. Donc j'ai nettoyé le sol de la cuisine, j'ai fait la vaisselle du petit déjeuner, j'ai fait un peu les plans de travail de la cuisine, j'ai vidé les poubelles, j'ai descendu tous les coussins qui sont dans mon fauteuil, c'est pour ça qu'il fait fort vite. Parce que ça a un fauteuil un peu spécial, je sais pas si vous verrez, voilà. Il y a des gros coussins comme ça. Évidemment, j'en ai mis quelques-uns à la lessive. Et j'ai fait le salon en lui-même avec un peu d'eau savonneuse parce que, comme vendredi, je vais chez Action chercher. Je vais chez Action chercher des têtes d'oreiller pour couvrir parce que j'ai 4 gros coussins comme ça à Bordeaux et j'ai plus envie qu'ils soient Bordeaux. Donc, du coup, je vais chercher 4 têtes d'oreiller, je pense, dans les tons noirs. Ou gris, je sais pas encore, donc voilà. Et je vais remettre des nouveaux plaids sur le fauteuil, style les plaids qu'on fait maintenant avec des longs poils angora. Donc voilà, parce que je suis en train de refaire, donc comme je vous l'ai dit, la décoration de toute la maison, de tout le bas en tout cas. Donc voilà, il y a des bruits suspects chez moi. Ça que je me suis arrêté de parler, mais pas grave, attention. Je pense que c'est mes chatons qui font un peu de bruit. Donc là, il est midi, je viens de dîner, j'ai mangé vite un petit œuf avec une tartine et un coup de Coca Zéro. Et donc là, je vais me poser un petit peu et d'ici 3 quarts d'heure, je partirai rechercher Angelina à l'école. École qui se trouve juste au bout de ma rue, donc j'y vais à pied, ça ne me prend pas longtemps. Comme ça, après, on ira donc à la kiné. Et ensuite, le programme. Ben, quand on rattrapera de la kiné, il sera quasiment 2h30, 3h moins quart. Donc, le temps de rentrer, le temps de déshabiller Angie, de la changer, de chipoter un petit peu comme ça. Je la mettrai au lit. Et donc, il sera quasiment 3h quand il ira faire un petit dodo. Et moi, à mon avis, je commencerai tout doucement à repasser tous ces petits bavoirs. Je vous montrerai ce petit foulard que ma maman lui a fait, parce que comme évidemment, elle a des problèmes d'éviction, vous savez bien, quelques petits problèmes de bavage de temps en temps. Et donc oui, c'est pas très beau, très glamour, mais enfin, c'est comme ça. Hein. Donc voilà, donc je vous montrerai ça tout à l'heure quand je les aurai repassés un après l'autre. Ranger quelques sous-vêtements, repasser quelques jeans et tout ça des garçons. Je vois que là, il y a encore 2-3 t-shirts que j'ai oublié de remettre de ma manne. J'ai remonté hier. Donc voilà. Et puis ensuite, ben, mon chéri sera de retour puisqu'il revient vers 4h30. Et puis ensuite, ben, il sera temps de faire notre petit rituel, c'est-à-dire boire une tasse de café tous les deux. Avant le retour des grands. Oui, parce que les grands, le lundi, mardi, jeudi et vendredi, ils vont à la prairie scolaire. Donc ils rentrent qu'il est 17h30. Parce que comme ça, ils font leurs devoirs en fait là-bas. Et quand ils rentrent, ben, on est tranquille. Donc voilà. Non, mais donc sur ce, ben, je vais vous laisser. Je vais sûrement vous dire à demain pour une prochaine vidéo. Ah non, j'ai oublié de vous dire. J'ai oublié de vous dire pour le souper. C'est un rôti de jambonneau sauce moutarde avec des carottes et des pommes de terre. Donc voilà, j'aurai certainement pas l'occasion évidemment de vous reprendre par après, ça dépend. Donc voilà, donc je vous dis déjà sûrement à demain. Et donc, passez un bon après-midi, profitez, il y a de super bon temps dehors pour l'instant. Donc profitez, ça sent le printemps, même si ça risque peut-être de ne pas durer, mais en tout cas pour le moment ça sent le printemps. Je vous dis de faire attention à vous, de profiter pleinement, pleinement, pleinement des gens que vous aimez, de vos enfants, de vos chats, de vos chiens, de votre famille, de vos enfants, de vos époux, épouses, de tout le monde. Parce que la vie vaut la peine d'être vécue quand on apprend avec le sourire. Bye, à demain. Ça fait donc cet petit effet-là.
Et donc elle m'a fait plusieurs modèles. Ça, c'est le même modèle que l'autre, sauf qu'elle l'a mis, voyez, en d'autres manières, et que c'est une petite doublure en époche rose. Elle a fait un pull style comme ceci. Je viens de les repasser, hein, donc voilà, lignée. Et l'intérieur, oui, est bleu ciel. Et alors ici, j'en ai 3-4 comme ça, que j'aime vraiment bien. Je vous les montre, c'est avec des petites coccinelles. J'en ai mis un aujourd'hui, donc j'en ai 3 comme ça, coccinelles. Et alors ici, elle a fait, je pense, pour qu'on puisse, vous voyez, on a pressionné comme ça. Mais alors moi, j'ai refait un petit nœud. Et donc, c'est aussi doublé en jaune. Et le deuxième, c'est le même. C'est aussi coccinelle et doublé en jaune. Donc voilà, et donc ça lui fait un petit style foulard. Récréation, surtout qui fait rudement bon pour le moment. Donc voilà. Alors, ce qui est pour ce que j'ai fait au matin, en fait, je fais toujours à peu près la même chose. Je donne un coup d'aspirateur avec mon aspirateur à main. Je fais pas un traîneau, j'ai un sans fil. J'ai fait tourner deux machines. Désolé, j'ai mal au bras. Il faudrait que je m'achète une perche selfie et un trépied. Donc voilà, j'ai fait les tiers des chats, j'ai vidé les poubelles, j'ai fait l'évier, la baignoire, j'ai fait les WC parce qu'il y en a un en bas et un en haut. J'ai fait tourner une machine, j'ai remonté le linge qui était sec au dressing prêt à être repassé. J'ai sorti bolognaise pâte pour faire ce soir avec un peu de crème fraîche et du fromage râpé. Et oui. Oui, j'ai fait cuire des petits pains pour manger avec les pâtes au soir, celui qui veut. Un petit morceau de pain. Ils aiment encore bien ça, les enfants. Pour ce qui en est du reste, j'ai passé l'aspirateur sur tout le fauteuil et je suis en train de faire tourner. Je vous montrerai une fois. C'est des gros gros coussins style oreiller sur mon fauteuil, mais ils ne se déhoussent pas. Donc là, je suis en train de tous les faire tourner, mais c'est des gros coussins, donc c'est un par un. Et après, pour ne plus que ça arrive, je vais aller chez Action ce vendredi. Et oui, Action. C'est la vie, ça. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. J'adore Action. Et donc, je vais aller chercher des grosses têtes d'oreiller noires et je vais rentrer les coussins dedans comme ça. S'il y a une tâche avec des enfants, on ne sait jamais, ben je déhousse simplement les têtes d'oreiller et hop, c'est parti à la lessive. Donc, je vais aller chercher ça ce vendredi parce qu'on est occupé en fait à refaire toute la déco. Évidemment, ce n'est pas notre maison, donc on est évidemment limité. Notre propriétaire n'était pas trop ennuyant, mais enfin, moi, c'est une maison en location pour l'instant. Donc du coup, on fait en sorte que ça soit joli, que ça soit cosy, que ça soit comme nous on a envie que ça soit. Donc voilà. Donc moi, je vais démarrer d'ici 5-6 minutes pour aller chercher Angelina. Ensuite, entre les deux, je n'aurai pas le temps parce qu'on va à peine être rentré et qu'on doit déjà remonter dans le Visio. Le Visio, pour celles qui ne connaissent pas, c'est un taxi qui vient chercher les gens à domicile et qui les conduit faire leurs examens médicaux ou aller faire comme nous, la kiné, des choses ainsi, qui vous attend devant la porte, vous montez dedans et vous dépose devant chez vous. Donc voilà, c'est un système qu'on a mis en fonction parce que mon mari utilise notre voiture évidemment pour aller travailler et que la deuxième voiture serait vraiment une charge trop importante au niveau budgétaire. Tout se calcule dans la vie. Donc voilà, comme moi je ne travaille pas, que je suis femme au foyer. La deuxième voiture ne serait pas d'une grande utilité, puisque mon mari rentre à 4h15, 4h30, et que les enfants sont pris par des systèmes scolaires au matin et reviennent aussi le soir. Enfin, on s'est arrangé avec les institutrices et avec la gardienne, donc on les charge le matin, les institutrices les chargent au matin, et la gardienne, moi, les ramène, en tout cas les trois grands, à 17h30. Sauf le mercredi où Angelina ne va pas à l'école, puisqu'elle a kiné le matin. Et donc, c'est l'institutrice qui passe les chercher au matin et qui me les ramène à 12h05, parce qu'en fait, l'école est juste ici. Mais le matin, c'est très très dangereux parce qu'on habite sur une nationale. Donc, vous entendez d'ailleurs, les voitures passent très très vite. Et alors, quand il fait encore sombre ou quoi, il n'y a pas de trottoir vraiment défini. Donc, on est autant faire comme ça. Donc, voilà. Donc, la deuxième voiture serait une charge vraiment importante. On est en train d'y réfléchir, mais bon, je pense pas parce que déjà que mon mari, je sais pas, je ne sais pas. Je vais voir un petit peu, mais en tout cas, ça serait un peu con de mettre une deuxième voiture en fonction alors qu'on a le système de taxi qui vient nous chercher et qui nous ramène. Donc voilà pour ce qui est de mon après-midi. Moi, je vous reprendrai tout à l'heure parce que quand je rentre de la kiné, bien souvent, je change Angie, je la mets au lit et elle dort 2 ou 3 heures parce qu'elle est évidemment entre debout à 7h du matin, l'école, la récréation de l'école, enchaînée sur 1 heure de kiné où là, c'est pas des massages, quoi. Elle marche, elle fait beaucoup d'exercices.
Donc après, elle va dormir 2 ou 3 heures. Donc je reprendrai à ce moment-là, un peu avant que mon mari ne rentre, lui, pour encore vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé à la kiné, comment s'est passée l'école, un petit peu papoter, hein, notre quotidien. Donc voilà, en tout cas pour ce soir, c'était pas de bolo, c'était pas prévu, j'avais prévu autre chose, j'avais prévu du poulet parce que je fais mes menus à l'avance, j'avais prévu du poulet avec des frites et une salade, mais voilà, j'avais pas envie de manger ça et j'avais envie de manger des pâtes bolo. Donc c'est le truc qu'on a souvent des armoires, un paquet de pâtes, un pot de sauce bolo, c'est des trucs qu'on achète régulièrement, donc qu'on a toujours en stock et donc voilà, c'était décidé aujourd'hui, c'était ça. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Bonjour et bienvenue dans ce vlog qu'on est mercredi. On a un petit soleil avec un petit peu de gelée. Aujourd'hui, Angelina ne va pas à l'école parce que comme vous l'entendez, elle est là. Le mercredi, elle ne va pas à l'école simplement parce qu'elle a kiné dans 40 minutes exactement. Donc voilà, donc là je vais aller me préparer pour la kiné, donc voilà, parce qu'on va tout doucement démarrer. Donc je vais vous montrer Angelina, si j'arrive jusqu'à elle, parce qu'elle râle. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je dois te prendre. Tu vas faire tes mains, t'as mis du chocolat. Tes mains, il y a le chocolat? Oui? Non, il n'y a pas de chocolat sur tes mains? Tu dis bonjour. 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 Tu vas à la kiné? Oui? Oui, tu veux travailler à la kiné? Avec Laurence? Oui, avec Laurence? Tu es allé à l'école hier? Oui, tu es allé à l'école? Tu racontes quoi? Sandy? Mais maman, oui. Elle est où, Angie? Elle est là, oui. Maman, elle est où? Elle est là, oui. Et papa, il est où? Il travaille? Il travaille à tantôt qu'il a dit. À tantôt, je travaille. Oui. Papa, tantôt, t'as fait des taches de chocolat sur ton pantalon. Mais si, t'as fait plein de taches de chocolat. Tu vas où? Tu trouves ça marrant? Il n'y a personne derrière. Tu regardes ce qu'il y a derrière. Il n'y a rien, c'est le téléphone de maman. Voilà, elle est en forme. Elle est en très grande forme. Bon, je vais essayer de rafraîchir son pantalon parce que je dois tout lui retirer avec ses orteils. Enfin, soit, je vais essayer de lui changer le pantalon quand même. Lui faire ses petites mains. Et puis alors, on va aller à la kiné. Tu dis à tantôt? Non, tu dis pas à tantôt? Tu fais la sotte! Tu fais la sotte, toi! Je vais chercher un pantalon, j'arrive! Donc voilà! Je vais me dépêcher d'aller chercher un pantalon parce que sinon ça va être la crise et en plus on va être en retard à la kiné du coup. Je vous dis à tout à l'heure! Donc on est mercredi toujours, il fait un plein soleil ici en Belgique et nous sommes en balade avec Angelina et les deux grands. Donc voilà! Donc c'est parti pour une demi-heure, trois quarts d'heure de promenade au grand air.